Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de ce que l'on ne vous dira jamais dans votre cours d'histoire. Concept développé par Christian Combeyondo, activiste, panafricaniste, homme d'affaires, producteur et tout le reste, athlète. Alors je viens ici réagir par rapport à une allocution, à un dérapage que tu es d'une grande personnalité du show business, du monde, vraiment de la parfumerie au monde, Monsieur Guerlain, qui a tenu des propos de la sorte en disant que son dernier produit, il l'avait fait parce que pour une fois, il a travaillé dur comme un nègre. Et je cite, pour une fois, j'ai travaillé dur comme un nègre. Et vous savez, les nègres, ce qu'ils travaillent vraiment. Oui, donc ça, ce sont des propos négrophobes et qui ont démontré que c'était un raciste. Donc, sa personnalité, il a mise à découvert devant tout le monde. Alors, il est temps donc que nous, Africains, nous prenions une décision de réagir souvent, de toujours réagir par rapport à des actions comme ça. Alors, quelqu'un qui nous manque de respect, il faudrait qu'on lui montre que nous avons vu ce manque de respect et que nous avons pesé ce manque de respect et que notre réaction ne va pas être simplement la soumission et d'accepter, mais plutôt de réagir et de montrer que nous ne sommes pas d'accord. Alors j'invite les gens à faire, les Africains, tout noir qui se respectent, à boycotter, à faire un boycott sur ces produits, sur la vente des produits de Guerlain. Alors que vous soyez du Cameroun, du Gabon, du Sénégal, des Antilles, du Brésil et de tout le reste, vous devriez comprendre qu'on nous a manqué du respect et que c'est pas normal. Mais seulement, vous savez, après investigation, Monsieur Guerlain, la police, après investigation sur l'affaire de Guerlain, la police a remarqué que dans ces champs, quand ils sont allés appréhender et faire une investigation sur ces champs, ils ont constaté que dans ces champs, ils utilisaient beaucoup d'immigrés. Et parmi ces immigrés, il y avait beaucoup d'Africains, beaucoup de Noirs de tous les pays. Et que ces noirs, souvent, n'avaient pas de papier. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc, ils gardaient ces noirs au travail, aux noirs. OK? Et donc, ils les exploitaient. Donc, vous imaginez quelqu'un d'aussi riche qui exploite encore des personnes comme s'il était quelqu'un qui vient de commencer dans son affaire. OK? Donc, vraiment, c'est pas normal à tous les niveaux. Donc, on ne peut pas venir à la télé jouer à la personne qui dénigre les gens. Alors, quelqu'un qui a de la haine pour les noirs, mais en même temps avoir l'amour pour l'exploitation de ces noirs. Alors il faut que ça s'arrête. Alors vraiment, j'utilise cette occasion aussi pour dénoncer aussi plusieurs autres occidentaux, plusieurs autres hommes de grandes figures académiques, philosophiques, scientifiques et tout le reste, qui ont dans le temps eu aussi des propos racistes. Alors je commencerai par le premier, mais qui m'a vraiment choqué, parce que c'est quelqu'un que je respectais beaucoup, Emmanuel Kant, parce que on nous a tous appris les principes de Kant. Et cela m'a vraiment choqué de voir qu'il a pu dire des choses comme la suivante. Je cite Emmanuel Kant, la nature n'a doté le nègre d'Afrique d'aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. La nature n'a doté le nègre d'Afrique d'aucun sentiment qui ne s'élève au-dessus de la niaiserie. Imaginez un peu. Alors ça, ce sont des propos qu'il a tenus dans son essai sur les maladies de la tête. Pour ceux qui voudraient vérifier, vous allez vous vérifier les essais sur les maladies de la tête de Emmanuel Kant, vous verrez ses propos. Des propos racistes. Rien à dire. Alors vous avez aussi Voltaire, qui, je cite, dit, les blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres. Oh, notre intelligence, vraiment, on la limite à celle des huîtres, quoi, vous imaginez, à celle des singes et après à celle des huîtres. Alors, je cite encore Voltaire, qui dit, les blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres. Donc, vous voyez, des personnalités, des entités vraiment académiques que nous avons respectées et qui ont fait le moule de notre éducation, qui ont fait le moule de nos idéologies et tout ça. Mais des gens vraiment qui n'ont aucun respect pour nous-mêmes. Vous avez aussi un autre, Montesquieu.
Alors ça, ces propos de Voltaire, il les a dit dans Traité de métaphysique. Ok, vous allez dans Traité de métaphysique, citer in le choc du moi numéro 25, page 31. Vous allez trouver ça là-bas. Alors pour ceux qui doutent encore. Alors Montesquieu, lui, ses propos, il a aussi eu des propos aussi négrophobes, racistes. Il dit, je cite, on ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Vous imaginez ça? Ça, c'est Montesquieu, hein. On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. On commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. Bon, encore pour vous dire que les chrétiens, à l'origine, ont vraiment été à l'origine de beaucoup d'atrocités que vous ne pourrez même pas imaginer. Ils ont participé à l'esclavage, etc. Bon. Et ça, ces propos de Montesquieu, vous pouvez les trouver dans l'esprit des lois. Dans l'esprit des lois, vous allez sur Internet. Je vous dirai tout à l'heure le site auquel vous pourrez aller pour pouvoir découvrir toutes ces informations. Alors le dernier que je vais choisir aujourd'hui, il y en a une longue liste hein, de ces grandes personnalités que nous avons vénérées, que nous vénérons toujours jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on cache souvent ces informations. On ne vous dit pas que ces grandes entités ont dit des choses comme ça, parce que je sais qu'aujourd'hui, s'il y avait 1000 personnes qui respectaient que ce soit Emmanuel Kant ou Voltaire ou Montesquieu, eh bien, il y en aura au moins 300, ou même la moitié, qui vont arrêter de le respecter aujourd'hui et qui vont se battre vraiment à réaliser cela. Okay? Parce que même souvent, vous allez même encore accepter, parce que votre subconscient a été tellement javelisé, hein, vous avez été tellement javelisé, tellement été miséduqué, parce que c'est l'Europe qui contrôle notre éducation. Donc on absorbe toujours, et ce qui fait qu'on n'arrive pas à développer la pensée critique. Mais il faut développer cette pensée critique, c'est très important. Parce que nous aussi, nous avons été à l'origine de plusieurs choses, et nous ne sommes pas ça. Et il faut vraiment réagir quand on vous traite de ce que vous n'êtes pas. Et surtout quand on vous traite de singe ou on vous traite d'une intelligence qui est moindre celle d'une huître. Alors vraiment, je continue. Alors nous avons aussi Ernest Renan qui dit, la nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre. Et une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Alors ça, c'est son discours sur la nation. Donc vraiment, frères et sœurs, je vous invite à aller tous découvrir ce site important, Africamat. AFRICAMAAT.com, un site superbe qui vous montrera les inventions noires, les inventeurs noirs, qui vous parlera de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la diaspora, des activités des noirs dans le temps, toutes les grandes inventions noires, nos traditions, nos origines, et tout ce qu'on vous cache dans les livres d'histoire, vous le trouverez là-bas. Alors c'est un groupement d'intellectuels noirs qui expose aujourd'hui tout ce qui a été longtemps caché. Car vous voyez, il faudrait qu'aujourd'hui nous puissions déjabiliser cette jabilisation de notre histoire que nous avons subie. Donc vraiment mes frères, je vous invite à avoir vraiment un courage intellectuel, de l'audace intellectuelle pour pouvoir critiquer, pouvoir analyser et ne pas simplement dire, oh non, comment, Christian, comment, qu'est-ce qu'il veut dire là? Que Kant ou Voltaire ou Montesquieu étaient des racistes, c'est pas ça, c'est pas possible, il n'a rien compris, ça c'était de la philosophie, ça c'était tout ça. On trouve toujours même une excuse, même dans ceux qui nous persécutent, quoi. Donc vous voyez, c'est ça la miséducation et c'est ça le réflexe de subordination et le complexe d'infériorité. Alors il faut vraiment lutter contre cette propagande d'infériorité envers notre personne noire, car nous sommes les fils du premier monde et non du tiers monde. Nous sommes à l'origine de toutes les choses. Ok? Il faut le savoir. Donc, vraiment, je vous invite à lutter contre toutes ces personnes qui ont la haine contre les nègres, contre les noirs, mais ont l'amour pour leur exploitation. Vous voyez? Ça ne va pas ensemble. Vous ne pouvez pas avoir la haine pour quelque chose et aimer exploiter cette chose encore. Donc, mais vous voyez encore, nous vivons Babylone et le capitalisme en plein. Donc, soyez vigilants, mes frères. Informez-vous, car l'éducation, l'émancipation, l'histoire, la connaissance de son histoire, du connais-toi toi-même, qui est un des principes originaires d'Afrique et non de Socrate, est très important. Le NOTASF, le connais-toi toi-même, était marqué sur toutes les pyramides d'Égypte. Donc, ce n'est pas Socrate qui a développé cette théorie. Okay. Bon, ça c'est encore d'autres recherches que je vous invite à faire, mais vraiment, faisons sentir à Guerlain que cette
ces vacances de Noël là soient les vacances de Noël qu'il va regretter le plus parce que son chiffre d'affaires doit tomber comme ça. Ok? Parce que le pouvoir d'achat nous appartient. Nous sommes les plus grands consommateurs. Okay? La race noire, aux États-Unis, ça a été prouvé que ce sont les femmes noires qui consomment le plus. Alors on ne joue pas avec notre pouvoir d'achat. Alors nous consommons beaucoup et on devra le lui faire sentir. Alors c'était mon message à vous tous dans la diaspora, en Afrique, dans les Caraïbes et tout le reste. Alors boycottons Guerlain. Car il mérite cela. Il nous a montré qu'il est petit comme ça, comme une petite poire. Merci et bonne journée à vous. Et allez-y sur Africa Mat, s'il vous plaît. Parce qu'après, vous allez encore douter. Allez-y.